Hello tout le monde, c'est Rambo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 et je suis en mode jeu d'armes sur la map Slums. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo sur BO2 et en même temps faire une vidéo en mode dans un mode de jeu que j'apprécie fortement. Mais c'est dommage car c'est un mode qu'on ne voit pas beaucoup sur YouTube. Et c'est un mode qui n'est pas beaucoup joué. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Parce que moi je trouve que c'est un mode pas mal du tout. Car ça, comment dire, ça fait un peu déstresser du multi normal, on va dire. Parce que moi là c'est tout le monde joue pareil, on va dire. Donc bon, c'est clair que si vous arrivez en cours de partie, vous avez un petit B23R, il y a peut-être un mec qui a la grosse mitrailleuse, mais ce que je veux dire en disant que tout le monde joue pareil, c'est que, comment dire, personne n'a d'atout en fait. Donc c'est tout le monde est égalité, sauf dans les armes. Bon, là par contre, vous voyez que je vous fais de la merde. Donc je vais y mettre un peu, parce que là ça commence à... commence à prendre de l'avance sur moi et je n'aime pas ça. Donc oui, désolé s'il y a des blancs quand je parle, que vous voyez que je bug un petit peu ou quoi, c'est que voilà, j'essaye de me concentrer sur le tir, donc je ne parle pas pour pas. Hop, toi tu dégages, suivant. Voilà, je vous fais cette petite vidéo aussi, c'est tout simplement parce que j'ai deux trois petites choses à vous dire. Donc tout d'abord, voilà, en fait je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider dans mes montages vidéo. Donc c'est à dire que en fait moi personnellement j'arrive à faire des montages vidéo, mais il y a certains trucs que je ne sais pas faire, c'est les effets sur Adobe After Effects. Franchement, sur ce programme, je ne m'en sors pas du tout. Et c'est pour ça que justement, je cherche quelqu'un qui pourrait... quelqu'un qui s'y connaît dans After Effects et qui pourrait justement m'aider sur la partie effet. C'est-à-dire qu'on ferait une genre d'association, un genre de... Que ça serait mon partenaire pour les montages. Bien sûr, je lui ferai de la pub, il y aura sa chaîne dans ma subbox, dans la description des montages, à chaque fois qu'on fera un montage qui sera mis sur YouTube. Il y aura son nom dans le montage. Voilà quoi, donc... Ah merde. Donc voilà, c'est... Donc si jamais quelqu'un est intéressé par ça... dites-le moi dans les commentaires de la vidéo, ou alors envoyez-moi un message privé pour me le dire, et je regarderai un petit peu et on s'arrangera pour quand il y aura un montage quoi. Parce que là je sais que je vais avoir un team tech de prévu dans pas longtemps. Donc justement ça serait pour pouvoir m'aider à le faire. Donc donc faire une genre d'association entre deux youtubeurs ou deux personnes qui savent faire des montages. Ouais. Donc moi en gros je m'occuperai de la partie sur Sony Vegas, donc c'est-à-dire synchronisation des clips avec la musique, venir placer les clips où il faut dans la vidéo, et la color correction, et l'autre personne s'occupera des effets sur After Effects, donc voilà. Tout est dit quoi, donc des effets vidéo. Donc voilà. Donc la première partie c'est fini, j'ai perdu, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une petite vidéo tranquille. Par contre la map express je n'aime pas, donc on va relancer une autre partie, mais cette fois-ci je vais aller en mode tireur d'élite. Un mode que j'aime bien aussi, au moins là tout le monde est pareil, tout le monde a les mêmes armes, et justement c'est ça qui est mieux. Donc il n'y a pas de... Je veux dire pas de triche, non, il n'y a pas spécialement de la triche en multi. Hein.
Ouais, quoique des fois oui quand même. Mais ce que je veux dire c'est que tout le monde est égaux là. C'est tout le monde a le B23R pendant une minute, puis ça change, tout le monde a le snipe, tout le monde a check, tout le monde a check. Donc justement c'est ça qui est pas mal dans ces modes de jeu. Et c'est dommage qu'ils soient un petit peu délaissés par la communauté car moi je trouve que c'est des modes de jeu qui sont vraiment pas mal pour déstresser un petit peu du multi. Donc quand je dis déstresser, bah, c'est que quand vous faites des parties en multi, que ça rage, que ça vous insulte, que ça campe, que check, que check, bah, voilà, vous partez un petit peu en mode... En mode comme ça, en partie publique, en partie en groupe, pardon, en tireur d'élite, jeu d'armes, caillou bâton. Bon, j'avoue, caillou bâton pour déstresser, c'est un petit peu plus dur. Pourquoi? Parce que bon, voilà, en caillou bâton, bah, c'est très simple. Vous faites vos kills, vous avez des points. Et par contre, par exemple, si vous êtes à 200 points et qu'il y en a un, il vous lance une hache de combat, mais il vous remet à zéro. Donc, j'avoue que ce mode-là pour déstresser, c'est pas le, on va dire, c'est pas le top. Mais les autres modes, franchement, oui, il y a quoi? Il y a jeu d'armes, tireur d'élite, caillou bâton, et le troisième mode, c'est une balle chargée. Bon, je trouve que c'est des modes vraiment pas mal. Bon, je vais changer d'accueil parce que là, ça ne trouve pas de partie. Extrêmement chiant, voilà, c'est ce que je vous disais, ça dure à trouver des parties. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur ce mode. C'est ouais, c'est des modes délaissés par la communauté et c'est dommage. Voilà, bon, je retrouve les mêmes personnes qu'avant, c'est pas grave, il y a l'air d'en avoir un petit peu plus. Si la partie pouvait se lancer, voilà, c'est parfait. Ouais, bah écoutez, je vais continuer à dire ce que je devais dire. Bah, je ne sais plus, voilà. Voilà, j'ai un blanc, je ne sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Je réfléchis, mais franchement, je ne vois pas. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, ah oui, voilà. Après après le tournoi qui va... Ah putain, merde, on est tous au couteau, là. Feu à Ouais, volonté. bon ben, on va se débrouiller au couteau. Hop, toi, t'es mort. Oui, donc après les vidéos du tournoi qui commence la semaine prochaine. Enfin, le tournoi commence samedi, mais la vidéo ne sera postée que mardi. Donc. Oh! Hein? Ah non, je suis mort! C'est pas grave. Donc, ouais, donc après le tournoi, donc une fois que le tournoi est fini, je ferai sûrement une vidéo. Une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Donc bah vous pouvez si vous voulez, si ça vous intéresse bien sûr, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, me connaître un peu plus, bah vous pouvez commencer un petit peu à poser vos questions, soit en commentaire de cette vidéo, ou bien dans les commentaires des autres vidéos, hein. Ou alors en message privé. Je n'y répondrai pas tout de suite bien sûr. Mais je les mets de côté et j'y répondrai dans la vidéo foire aux questions justement que je ferai. Après le tournoi, parce que bon, le tournoi va me prendre énormément de temps et c'est pour ça que, à mon avis, jusque fin juillet sur ma chaîne, vous ne verrez que ça, les vidéos du tournoi. Mais après, je referai d'autres vidéos, ça, bien sûr. Ah là là, je galère avec cette arme. C'est quoi ça? 5-7 Akimbo. Ok. Donc voilà, donc ouais, vous pouvez me poser les questions, tout ce que vous voulez comme question, ça peu importe. Tant que ça reste quand même dans la limite du raisonnable, on va dire. Donc pas de questions trop comment dire, trop personnelles ou voilà. Ah, vous comprenez quand je dis ça, quoi. Pas commencer à. Parce qu'il y a quand même du jeune public qui regarde les vidéos sur YouTube, donc on va pas commencer à parler de cul dans les questions, ou voilà. Enfin, si vous voulez voir du cul, vous allez sur YouPorn. Hein. YouTube n'est pas fait pour ça. Donc voilà. C'était la petite. Ma petite BA du jour, on va dire. Quand je parle de ça. Bon, et toi, tu vas mourir, merci. Voilà. Eh, j'y arrive pas du tout. Hein. Sérieusement, bah bon, faut dire aussi en live commentary, quand on parle, qu'on joue en même temps, on a du mal à se concentrer. Allez, toi dégage, c'est bon. Ouais, je râle un peu, ça m'arrive. Ils prennent pas les balles, donc je cut. Normal. Hop, voilà.
Ouais, donc je voulais parler aussi un petit peu du tournoi qui. Voilà, on sort l'arme en même temps, mais je sais pas, il tire. Mais je vous fais vraiment de la merde, hein, sérieusement. Hein. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, écoutez. Voilà, c'est qu'une vidéo détente. On ne peut pas gagner à chaque fois, comme on dit. Donc, voilà. Moi, je ne joue pas. Enfin, si, je joue pour gagner, c'est logique. Mais je veux dire, je perds. Je m'en fous totalement. Ah là là, j'aurais dû recharger. Désolé. Non, mais c'est quoi ces armes qu'ils nous donnent, sérieusement? Ouais, en mode tireur d'élite, vous avez. Des fois, vous pouvez avoir de la chance, comme des fois, pas du tout. Donc, on fait avec ce qu'on nous donne. On n'a pas trop le choix. Ah, là, j'étais pris en sandwich, hein, devant et derrière, je ne savais rien faire. Oui, donc je voulais parler un petit peu du tournoi. Toi, tu vas mourir, non, t'as pas envie. Je voulais parler un petit peu du tournoi, justement, qui commence dans quelques jours. Et déjà, je voudrais tous vous remercier de vous être inscrits. Ça veut pas, franchement, aujourd'hui, ça veut pas. Je vais être honnête avec vous, c'est ma deuxième partie. Oh, je pourrais faire la triple. La troisième, il a pas voulu mourir. Attention au chrono. C'est pas grave. Donc ouais, donc je voulais tous vous remercier pour déjà pour vous être inscrits et vous souhaiter bonne chance. Voilà, vous dire bonne chance à tous pour le tournoi, car je pense que ça ne va pas être facile. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je devais vous dire. J'espère que vous serez quand même nombreux à regarder, enfin à suivre le tournoi. Du moins pour ceux qui n'ont pas su s'inscrire. Bon, maintenant, si je vois que le tournoi plaît, j'en referai sûrement d'autres. Je pense peut-être même en refaire un, si je vois que celui-là a vraiment plu. Je pense en refaire un début de l'année prochaine. Mais sur Ghost, cette fois-ci, plus sur Black Ops 2. Avec bien sûr d'autres cadeaux à gagner, mais ça, comme vous le savez, vous le saurez par après. Je ne dis pas c'est quoi les cadeaux, de toute façon même à ça je n'y ai pas encore réfléchi. Moi, comme je dis, je vis au jour le jour et voilà quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ces deux parties où je me suis fait bien exploser la gueule vous auront plu. Donc n'oubliez pas, je fais un petit rappel vite fait, donc n'oubliez pas que vous pouvez commencer à poser des questions pour la vidéo FAQ que je vais organiser après le tournoi. Donc vous pouvez me poser n'importe quoi comme question, sauf les questions trop indiscrètes, on va dire, et voilà. En restant, voilà, il faut rester dans la limite du raisonnable. Le tournoi qui va commencer bientôt, et si quelqu'un est intéressé pour, je vais dire comme ça, pour le poste que je recherche, pour faire les montages vidéo avec moi, dites-le moi dans les commentaires, je regarderai quand même votre niveau d'édit avant, quand même, voir ce que vous savez faire sur After Effects. Et au pire, si je vois que vous débrouillez bien et que votre travail me plaît, on envisagera une genre de petite association ensemble pour faire ça. Hein. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vais vous dire gardez la patate et ciao tout le monde.